Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente comme convenu ce magnifique bouquin avec en couverture assez rigide et dans un aspect velours avec du métal. Voilà, juste trop trop beau, l'aspect métallique. Donc c'est parti, revue du livre Harry Potter, les enluminures. Il regroupe plusieurs scènes des films de la saga Harry Potter. Donc, hop, j'essaye de bien me mettre dans le cadre, comme ça vous voyez les deux pages correctement. C'est parti. Donc, il y a du texte, il y a des images. Donc, je vais vous les faire défiler. On va se focaliser sur les images. Donc sur les illustrations à colorier, mais voilà, sur le côté, vous avez enfin l'image qui correspond à une scène du film avec les dialogues. Donc je trouve ça vachement cool pour les fans. Enfin, voilà, c'est quand même un beau clin d'œil au film qu'on affectionne, je trouve. Donc, voilà. Le magnifique château. Et donc la particularité de ce livre est que vous allez retrouver des pages qui sont pas doubles mais avec quatre volets. Donc vous avez la grande scène comme ceci du réfectoire. Hop. Voilà un petit peu la scène, donc elle ne rentre pas dans le champ de ma caméra, ce n'est pas grave. Mais voilà un petit peu, et là vous avez Hermione avec le chapeau. Je veux juste pas lui abîmer son livre. Et on passe donc à la page qui suit. Je crois que vous avez une grande scène à colorier comme ceci sur un livre sur un film pardon sur deux sans l'avoir compté mais de souvenir je crois que c'était ça. Donc voilà, l'Adobe est juste trop trop beau. Hop, je passe rapidement pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, mais si vous voulez mettre pause n'hésitez pas pour voir plus en détail la scène. Non, toi je t'ai pas passé. Donc on était là. J'ai loupé une page. Hop. Et vous voyez là. On est au troisième film. Celle-ci aussi, je la trouve canon. Et donc là, on arrive sur une frise comme tout à l'heure. Donc on a le château comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, pour colorier, bien évidemment que vous pouvez tourner la page de l'autre côté, la plier de l'autre côté, hein, tout simplement, pour pas abîmer votre livre. Hop. Je replie correctement. Et donc, on passe à la prochaine. Celle-ci aussi, je la trouve juste trop belle. Après, c'est mes pages chouchou, bien évidemment. Il vous donnera les siennes.
quatrième film. J'adore cette scène du film. Le professeur. Les jumeaux. Je trouve que les animaux sont quand même super bien représentés, avec un niveau de détail juste magnifique. Après, on verra s'il le garde en livre de collection ou si il colorira dedans. Je me pose sincèrement la même question dans mon livre de Disneyland, vous savez, le grand. Le dernier que j'ai acheté, Bellatrix, juste canonissime également. Hop. Ensuite, Créature. Et là, pareil, ça s'ouvre sur l'arbre généalogique. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça, ce sera plus simple. Hop là. L'arbre généalogique des Blacks. Hop. Et je vous remets en page centrée ici. Dumbledore et Voldemort. Sixième. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a des pages un peu hors du commun, comme les frises. Et il retrace vraiment les plus belles scènes, je trouve, des films, donc trop trop beau. Pareil ici, hop, et de l'autre côté, comme ceci. Ils sont juste un petit peu embêtantes à replier. Mais on s'en sort. Luna Lovegood. Que serait la saga sans Harry amoureux? Drago. Le septième film. Les pages sont vraiment épaisses. On peut faire des choses juste magnifiques avec pas mal de médias. Je pense qu'il va rester au plan de couleur. Mais voilà, elles sont juste trop trop belles. Dobby, trop chou.
Options. Huitième, la baguette de sureau. La mort de Dobby, trop tristoune. Harry, en veux-tu, en voilà. Et voilà. Je le trouve vraiment, vraiment canon, ce livre. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, là, c'est rien. C'est juste les poils de mon chat. Mais voilà, voilà. Donc, superbe livre sur le thème Harry Potter qu'il a reçu donc pour son anniversaire. Il en était ravi. Et s'il est ravi, moi aussi, je le suis. Donc voilà pour cette revue de livres. J'espère qu'elle vous a plu. J'essayerai de vous faire quelques revues de livres si ça vous a plu. Avec mes livres chouchou ou mes derniers livres que j'ai mis dans ma collection. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !